à tout le monde qui branche Hédin nous a dans l'Est. Gros bonjour, bonsoir pour nous toutes et bienvenue. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager intéressés, pas oublier abonner avec chaîne et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous postons une vidéo sur chaîne ça, qu'on une information sans problème. Au niveau Delmas 33, nous gagnons pour nous passer 48 mètres cubes, je veux dire. Mais ce n'est pas de charge. Parce que vous connaissez un axe principal qui permet que vous gagnez une circulation dense. La donne. Donc, pour éviter blocus, surtout l'école, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs activités qui ont fait ce axe de route ça. Nous jugeons bon pour nous mettre 48 mètres cubes aujourd'hui, mais ce n'est pas encore terminé. Nous allons continuer toujours. Mais vous ne connaissez pas Delmas 33 simplement qui gagne. Nous, dans Outaïo qui gagne tout, l'Ovalville, Mosaïque, on mise en Mosaïque, pas besoin de citer non. Ou qu'on est Outaïo port, c'est une sorte de miroir lié au pays. Nous jugeons bon pour nous démettre 18 mètres cubes pour nous patcher et quelques endroits qui gagnent coévasse et de l'eau à venir dormir qui ont problème pour chaussée. Encore, nous avons une petite place Cazeau, du côté de la première cité. Ça, c'est à l'entreprise. Nous avons mis 64 mètres cubes des bébés. Nous toujours à continuer Pétionville, mais Pétionville, nous avons fait des capages hier soir, de façon pour nous à faire terrassement. Mise en emblée qui a permis de nous commencer carnival. Pour le moment, c'est ça mon cadeau sur l'activité que moi fait entière avec jeudi. Bon, en Pétionville, nous venons pile le problème parce que nous n'avons qu'à plus avancer. Ça qui permet que nous n'avons pas avancé plus, c'est activité. Nous connaissons que l'activité économique, même si c'est dans le cadre informel, et puis il y a mon paquet de stations, c'est là où nous gagnons. Mais nous jugeons bon malgré Jean-Pierre Yahye, étant donné Pétionville, Carbanon, une accessibilité pour nous travailler les soirs. C'est ça qui fait que nous prenons Pétionville là pour nous faire les soirs. Mais en ce qui concerne l'autre, petite place Cazeau, Delmas 33 malgré circulation, et puis Outaïo pour malgré circulation, nous faisons pendant la journée à là, mais nous pas rencontré tellement de grandes difficultés. Nous avons arrivé à Fouita, Avel. Mais avant nous faire à Fouita, pour qu'on ait une période pluvieuse, ça pas arriver, les canaux Rita qui nous a tout curé de façon à éviter que les Tessine César que nous gagnons pour nous toucher, parce que les Tessine César sont grosses affaires. Le travail qui a fait Tessine César, son bail qui a coûté dans les 50 à 60 millions de doutes. Le squad démocratique qui se défend ces peuples-là, te dit à tout le monde que 7 février 2022, pas de gain rien. Tout le monde, ouais, pas de gain rien vrai. Les gens qui sont dans l'arrière, c'est nous-mêmes partisans PM Dr Ariel Henry, tout ennemi qui est sur les réseaux sociaux. Escouade démocratique a dit à tout le monde qui a maladie ça, qui c'est folie président, il y a des bagages qui sont privés. C'est soit vous fou ou bien vous sorti sous scène politique là, même gens avec Joseph Mécène Jean-Louis. Si vous avez besoin de président, c'est l'élection pour aller. C'est tant de Père Marie-Henri pour mettre la sécurité dans le pays pour l'organiser bon genre élection. Laissez ça, tout le monde pour l'inscrire pour capable. D'un président dans le pays à 7 février 2023. Escouade démocratique a dit à tout le monde, PM n'a pas monté KEPA rapide là. Dans cette semaine là, KEPA va monter. Il y a un plan de sécurité nationale qui est déjà en application qui permettent bon genre élection organisée dans tout le pays. Nous avons demandé à Mounsaïo qui est folie président, qui n'est pas capable de mettre les gens dans la rue pour faire manifestation encore. Côté peuple à pas qui a mis les gens dans l'école, côté Mounsaïo a bail zam dans le quartier populaire, qui fait diaspora pas capable de venir dans le pays pour suspendre. Pour suspendre côté pour moun Matissan yo capable retourner la caillou. Pour problème qui gagne dans quoi des bouquets capable résoudre par rapport avec et façon insécurité à augmenter. N'a dit avec peuple haïtien, c'est pas tout politicien qui t'a remis pour gagner sécurité dans le pays. Même moun sa yo cap parler d'insécurité, c'est même moun sa yo cap bay zam, cap bay cartouche qui pas t'a remis pour problème la résoudre. Eh bien, Père Marie-Henri étant que docteur, étant que moun qui croit dans la vie, dans bail la vie, li croit dans dialogue, c'est ça que fait, li mandé à tout secteur qui t'a aimé vinn chita pour venir dialoguer ensemble avec lui, pour venir rencontrer tout le monde qui était signé accord en septembre là, une façon pour mettre tête ensemble pour capable sauver pays dans cas insécurité, kidnapping, problème qui gagne là. Et bien dans ça n'a dit à tout le monde ça yo pour mettre tête ensemble côté pour gagner bon genre élection organisée côté 7 février 2023 pour gagner un président qui élu démocratiquement. N'a dit à tout le monde côté peuple haïtien attend pour venir rencontrer Père Ariel Henry pour résoudre problème ça qui gagne dans le pays, problème grand goût et l'autre problème encore. Seulement 15 jours à tout responsable accord pour mettre tête ensemble et arriver à un grand document. C'est pour nous batailler contre chômage, contre insécurité, contre menti, contre droit socioculturel, politique, économique que nous perdons à l'eau, côté c'est l'homme mort qui prime. Chaque jour, c'est le monde qui a mouru. Alors que l'accord n'est pas chita sur ça. Chaque jour, c'est le monde qui a victime, pas chita sur ça. Tandis que l'accord est chita sous rencontre Ariel pour définir stratégie pour mettre en place un autre gouvernement pour le monde à l'encontre. Nous-mêmes, ce n'est pas ça que nous réglons. Donc, 15 jours pour tout accord, vous mettez ensemble pour finaliser un grand document qui vous dit la population, vous même, mes côtés, vous décidez d'aller. Et là, ça, le Premier ministre n'a pas bien l'autre choix que Chita, le ça a deux grands accords probablement, les mêmes qui ont accord en septembre et eux mêmes qui s'est accord toute population pour une décision. Là, ça, la communauté internationale a rendu compte que la crise haïtienne, décider, mettez fin à elle et laisse à tout le monde prendre compte que l'unité Papa de Saline d'Aponé nous arrivons à elle définitivement et laisse à la population mobiliser pour que les gens qui ont une dernière chance, qui passent dans tout pouvoir qui gagne déjà, aujourd'hui, il faut mettre tête ensemble pour nous arriver à sortir la population dans la situation que nous avons là. KDSL, c'est une institution exclusive. C'est peut-être ça, nous appelons toutes les familles, venez dans le mouvement ça, venez pour le mouvement ça. Parce que le mouvement ça, c'est le mouvement pas nous oublier. Nous, ça va passer journée aujourd'hui. Si nous ne pas paraître, nous disparaître. Si nous ne pas camper, pas lever camper pour nous faire voir, nous passer, nous toujours derrière. Pas oublier, nous représenter 52%, ça veut dire nous plus et nous important. Nous crions trop, nous souffrons trop. Et nous connaissons pile fond qui sont candidats. Si nous ne pas porter dans sa cette chose, nous sommes toujours derrière. Nous disons encore, c'est peut-être ça nous invite à nous venir, quel que soit le côté. Ou dans organisation, ou dans une plateforme. Même si vous ne pouvez jamais participer dans un lien, dans le mouvement femme, mais nous invitons parce que le mouvement, ça, c'est pour tout le monde lié. Mouvement ça c'est pas mouvement négatif, femmes habillées, femmes hommes seulement. Nous avons toutes femmes qui sont dans la ville de province. Nous avons des marchands. C'est pour nous paraître tête nous, pour nous pas disparaître. Parce que ça nous a passé là, nous ne sommes pas capables de compter sur le monde et sur plusieurs accords nous avons discuté entre eux. Il y a 50 000, nous ne sommes pas capables de nous entendre vraiment. Mais si nous tous mettons ensemble, c'est peut-être ça nous fait appel avec tout accord pour venir sur une seule table. Mais nous, mesdames, il faut nous présenter nous pour nous capables de prendre place par nous dans ça bien pour faire. Ça c'est 27e livre, c'est l'Estomanie. Donc pour moi-même c'est une façon pour pas quitter l'idée au canyon dans le cerveau, dans la tête, dans les jours, donc pour partager avec l'autre monde. Et surtout lors du plaisir ou dans le monde qui, pas dire un monde qui est irréel, mais quand même son monde imaginaire. Mais dans le temps pas noir là, je dis, poésie lui-même, son bagage qui trouve la terre à tout, et qui a gardé, ça qui a passé. Bon, surtout le prend livre sacré, les Nostomanie. Et Nostomanie, c'est qui se rejoignent là-dedans, c'est presque le pays d'Haïti. Donc c'est une situation à vivre aujourd'hui là qui estomacait tout le monde, qui révoltait tout le monde. Et c'est ça même nous venons retracer en dedans ça, dans l'Ostomanie, parce que l'Ostomanie, ça veut dire nostalgie. Donc dans période que nous avons vivre qui perdue et nous ne connaissons pas qui l'a joigné encore. Dans la situation, nous venons là avec un tissu et social qui est totalement déchiré. Ce titre là, c'est juste pour montrer que à un certain moment, nous sommes un pays. Et si nous descendons plus bas pour nous arriver dans seconde moitié et du 18e siècle pour nous venir trouver nous dans la perle des Antilles qui aujourd'hui a tourné la peine des Antilles, Saint-Domingue à l'époque, la colonie, et qui était plus prospère. Donc pendant ma parler avec plaisir, je regardais l'ancien professeur de sciences sociales, Joseph Mécène, qui était là, qui barrait son tête. Donc pays qui était plus prospère sous la terre dans le 18e siècle fini, et aujourd'hui, maintenant qui est à nous aujourd'hui. Ça dit un paquet de bagages parce que un génon cadet ancien élève moins au Collège Bird. Et déjà, au niveau du Collège Bird, jeune étudiant, il était commencé par des preuves de son talent de poète. Donc les gravés, les Usnons, ouais, moi, je tout l'autre poème, poème publié déjà. Et puis, j'ai une invitation par WhatsApp, je me dis que je dois manquer. Non seulement ancien élève, moi, il était Canada, il était directeur Canada, il était venu comme professeur. Ouais, et on a toujours gardé un contact serré. Donc, pour me dire, ça va être plaisir comme là. Et, mais, l'aime arrivé là, l'aime lit, titre, recueil de poésie. Ouais, nostalmanie, son bail pour mal lire rapidement là, parce que moi-même à mon âge, ouais, capable de papa cadet, mais à mon âge, qu'on y a sorti de comment vivre, comment bail, capable d'attendre la radio. Nous vivons peut-être de nostalgie du passé, par rapport à ce que l'on vit maintenant. C'est un grand plaisir pour nous participer à la journée. Avant tout, M. Josué, c'était ancien ministre de l'Éducation. Il était participé dans l'ouverture du lycée national de Frères. Moi-même, Georges Kamita, moi c'est ancien élève national de Frères. Moi, l'école lycée Pétionville, lycée national de Pétionville. Et Nostomanie, moi, par contre, ça randonne, même si c'est un livre qui est très belle. Et moi, t'as bien, mais comme ça randonne. Avec invitation, Madame Régine, directrice de l'école nationale de Frères. Un avocat pour ce café, on va descendre dans la machine pour des fois, ils tirent sur la machine, et il y a même qui est obligé de passer dans la tête bonne, qui passe sous l'homme, mais. Toute qualité de problèmes réunis et mettez dans une situation difficile. Et là encore, pour que ce Matissan, jusqu'à présent, l'autorité, pour que j'aime prendre une décision formelle pour éradiquer la question de banditisme qui a ravagé et Matissan, ravagé tout citoyen. Nous avons joué une invitation PM pour participer dans la réunion avec. Dans le moment où nous faire réunion, que le président et le temps pas disponible. Et après, nous avons demandé un report qui était fait. Et puis, nous avons vu une rencontre par visioconférence qui nous a entendu ensemble avec le sous l'heure et puis qui était faite, oui, réunion faite. Mais au fond, question conseil électoral, question conseil de contrôle et avec question assemblée constituante, c'était trois points tenant menu de discussion. Mais là, nous arrivons dans la réunion, PM n'était seulement mis accent sur l'Assemblée constituante, c'est ça seulement, il ne parle avec nous, il ne parle pas avec l'autre point, il n'est pas épuisé sur la salle de dîner, il est épuisé, c'est sous question Assemblée constituante, là, demandez nous pour nous désigner trois mondes. Et comme Fédération de Barreau, décision, organe de décision, c'est l'Assemblée des bâtonniers, nous disons nous pas capable aucune assurance que nous pourrons répondre favorablement, positivement, nous attendons pour nous faire une rencontre avec l'Assemblée des bâtonniers. Donc on est convocation difficile parce que à cause de l'insécurité, il n'y a pas qu'à sortir dans le coin et généralement toujours un lieu de rencontre et nous faisons en présentiel qui est vraiment impossible pour nous et nous cherchons un consensus pour nous faire par visioconférence que nous avons planifié, que nous avons envoyé à VIA d'ici dimanche prochain. Nous avons supposé réaliser réunion à l'Assemblée générale. Nous avons tout profité pour nous soulever question avec l'Assemblée et puis pour prendre une résolution sous point et puis pour nous connaître est-ce que l'Assemblée des bâtonniers est d'accord pour la Fédération de Barreau participer dans la question de l'Assemblée constituante. Est-ce que le moment propice, etc. Donc c'est ensemble de questions qu'on va soulever dans la Fédération de Barreau. Et automatiquement, il prend décision, la presse sera informée de la décision de la Fédération de Barreau d'Haïti. Pertinence, importance, texte que aurait les gouverneurs de la Rosée, importance qu'il t'a dû gagner dans l'enseignement qu'a fait dans le pays d'Haïti. Journée aujourd'hui. Je vais reprendre, je dis que importance, pertinence, roman ça, qui est le gouverneur de la Rosée, que compatriotes nous, Jacques Roumain a écrit. Gendelec nous pas utilisé avec intelligence sa femme et garçon produit dans un pays. Gendelec n'a cherché l'autre côté. Ça nous gagne, ça nous produit dans un pays. Et nous avons fait une enquête à travers le pays, à travers les petits départements de pays, surtout dans l'école secondaire, pour nous dire est-ce qu'il y a un enseignement systématique de pensée Jacques Roumain qui fait à travers le roman ça et les gouverneurs de la Rosée. Nous-mêmes, dans la Fondation Jeunesse, Connaissance et Engagement Citoyen, nous pensons que le livre ça, c'est un outil qui est extrêmement important pour jeunes garçons avec jeunes filles dans un pays. Nous avons entendu, il y a cléoné, tout le monde a dit que pas d'éducation de la citoyenneté, pas d'éducation civique, pas de... Or, nous sommes capables de partir de livre ça pour nous faire éducation civique. Éducation à la citoyenneté. Mes amis, ça c'est qui nous lié quand on a parlé dans le monde. Non. Son héritage, son monument, texaïe, yon héritage, yon monument lié pour le pays noir. Roman ça, texaïe, il traduit dans plus que 22 langues. Nous ça veut dire. Livre ça traduit dans plus de 22 langues. Heureusement, il y a des gens qui ont fait effort pour traduire tout en créole dans le pays. Mais on n'a pas quelques outils que nous privons les jeunes. Nous n'avons pas de chance pour capable de travailler avec ça, pour capable de lire, pour capable de travailler avec ça. Et c'est pour ça nous-mêmes, dans la fondation, et puis comme professeurs tout dans l'université, que ce soit l'université d'État d'Haïti côté de notre travail, au nom comme universitaire, nous dit que c'est extrêmement important pour nous venir avec l'IFSA, pour nous dire, mes amis, s'il vous plaît, en moi, bas jeunes, l'IFSA, dans le secondaire et puis dans l'université.